Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TaskKiller85, j'espère que tout le monde va bien, encore une fois aujourd'hui, et je le pense réellement. Donc voilà, la dernière vidéo, il faisait pas un temps terrible, aujourd'hui ça s'est amélioré, c'est pas la Bérésina non plus, mais on a un petit rayon de soleil, pas trop de vent, donc je pense qu'on va aller tester le petit Chimera 4 LR de chez eFlight. J'attends mon bon Yacine qui va venir voler avec nous, et peut-être tester un petit peu son Sidora qu'il a transformé en HD. Donc aujourd'hui, on va parler de ce petit eFlight, qui est un concurrent direct ou indirect avec le Explorer LR de chez Flywoo. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Alors il y a des points pour le eFlight et il y a des points pour le Flywoo. Donc pour ceux qui veulent voir, allez voir dans la dernière vidéo, je vous ai dit vite fait la différence. Le GPS est meilleur sur le eFlight. Le Flywoo est beaucoup plus orienté long range et exclusivement long range, j'ai envie de dire, alors que le eFlight lui va plus faire un peu de long range et un peu de freestyle. Donc il est un peu plus polyvalent tout simplement, avec un peu moins d'autonomie parce qu'un châssis plus lourd est un châssis fait différemment, même si eFlight a sorti également un châssis qui ressemble au châssis de l'Explorer, même s'il n'est pas avec des bras amovibles, mais qui a la même forme pratiquement que l'Explorer, qui sera plus destiné pour le long range également. Donc je vous présente tout de suite ce petit Chimera 4 de chez eFlight. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai installé mon anti-dérapant autocollant que je vous avais montré il n'y a pas très longtemps. Belle finition pour ce petit eFlight. Je vais tout de suite vous montrer ce qu'il y a dans la boîte, comment il est fourni, et juste après je vous parle un petit peu de l'engin rapidement et on va très très vite aller voler. Donc dans la boîte, vous allez retrouver deux antidérapants, deux pads lipo antidérapants. On voit pas grand chose au travers, je vais tout sortir. Hop, vous avez deux petits embouts d'antenne comme ça. Moi, c'est la version Crossfire, donc là, je n'en aurais pas besoin. Ils n'ont pas trop trop rallongé. C'est un petit peu plus long, mais c'est pas encore ça. On a également, hop, une sangle à l'intérieur, un peu plus petite que celle fournie. Donc déjà deux sangles de fournie et un petit peu de visserie de rechange. Surtout de la M2 avec différentes longueurs et des petits écrous en plastique également pour carte de vol. Deux types d'hélices différentes. On va avoir un jeu de Nazgul en bipal et un jeu de Gemfan en 40-24. Donc je pense que la Gemfan est un peu plus destinée au long range et la Nazgul un petit peu plus au freestyle, même si c'est pratiquement le même pas. Donc moi j'ai décidé d'installer les Gemfan et si j'aime pas les Gemfan, je mettrai les Nazgul. Un petit sachet avec rien parce que dedans c'était les hélices. On aura une autre petite sangle de rechange, un peu plus longue cette fois-ci. Donc une très courte, une intermédiaire et une plus longue. Donc trois sangles fournies, c'est plutôt sympa. Un petit câble USB-C pour mettre à jour la Cadix Vista ou la Cadix Nebula, selon le modèle, la version que vous choisirez. Je vous mettrai les deux liens, je vous mettrai le lien de chez eFlight directement où on vous propose Nebula et Vista. Moi c'est la version HD, hein, vous l'avez vu. Je crois que sur Banggood c'est que la version Nebula, il me semble. C'est encore le temps de changer. Bien sûr, la mini notice en ce qui concerne la Cadix Vista. Une notice qui va vous aider à paramétrer votre GPS. Alors GPS Rescue Mode, vous savez que vous avez deux façons de le faire. Moi j'aime bien régler le failsafe avec le Rescue Mode en cas de failsafe, même si je pense qu'avec le Crossfire j'aurai moins de soucis, surtout que je ne fais pas de long range. Mais vous pouvez activer simplement le Rescue Mode du GPS avec un switch et ne pas l'avoir sur le failsafe pour pas avoir de soucis. Par exemple, si vous n'êtes pas en Crossfire, vous savez que si jamais vous avez un failsafe à moins de 100 mètres du point de décollage, le rescue mode ne se déclenche pas, ça va simplement couper comme si vous coupiez les moteurs et votre drone y tombe. Donc si vous avez un mauvais récepteur, un mauvais branchement ou que vous passez derrière des obstacles à moins de 100 mètres et que vous avez un failsafe, et bien si vous avez activé le rescue mode, ça risque de ne pas fonctionner non plus. Donc au choix, soit on active le rescue mode du failsafe plus le switch, soit on active que le switch comme vous voulez. Mais dans tous les cas, si vous avez un failsafe à moins de 100 mètres, le quad tombera de toute manière. On aura pareil une petite notice explicative, l'éclaté, le diagramme, avec la carte de vol, la caméra et le VTX, bien sûr, pour la version normale. Et une belle petite plaquette d'autocollant eFlight, vous le savez, encore une fois, avec ces gros autocollants caoutchoutés à moitié plastifiés. Pas de support TPU pour une naked, pas de support TPU pour rien. Débrouillez-vous, j'ai envie de dire, vous mettez ce que vous voulez dessus. Après, sur la version HD,
Aujourd'hui, on va le tester, franchement, je ferme ça. Aujourd'hui, on va le tester sans la version HD, enfin sans une caméra supplémentaire stabilisée dessus. On va juste tester le retour de la caméra Cadix Vista avec le DVR des goggles. Tiens, d'ailleurs, en parlant de goggles, sur mon masque, j'ai commandé un kit d'antenne chez ProDrone. Et un autre pack d'antennes aussi que je vous montrerai, un autre patch qui est plutôt pas mal. En attendant, j'ai trouvé une de mes anciennes antennes comme ça, qui m'avait été fournie par Yannick L'Huillier, paix à ton âme, mon ami. Et il avait eu la bonne idée de me mettre une sortie en RHCP et une sortie en LHCP. Ça veut dire qu'en attendant de recevoir le kit d'antenne, je vais utiliser ce petit patch parce que c'est vrai que les antennes d'origine du masque, c'est vraiment pas fait pour aller très très loin. On a très très vite des pertes de réception. Donc, le petit drone en lui-même, le voici, le voilà. Et écoutez, belle finition de chez eFlight. On a une belle petite frame. Malheureusement, les bras ne sont pas détachables. On est obligé de changer toute la frame en dessous si jamais on casse. Par contre, on casse beaucoup moins que sur l'Explorer LR en cas de choc, parce que là on a des bras de 4 mm d'épaisseur, donc toute la bottom plate est en 4 mm d'épaisseur bien sûr, la top plate en 2 mm, on a 28 mm d'espace entre les deux, donc on a quand même pas mal de place, vous voyez, même après la Cadix Vista et après la Stack, on a encore de la place. On a du beau TPU un petit peu partout, que ce soit au niveau des bouts de bras ou pour les pattes d'atterrissage, et on a également du beau TPU que ce soit pour le support GPS et le Crossfire, et également le petit récepteur qui reste visible également comme dans le Nazgul V2. Comme je vous l'avais dit, c'est accessible, donc pas besoin de démonter l'engin. Une petite prise XT30, une grande antenne, on verra ce que ça donne avec la Cadix Vista. Donc vous le savez, quand vous le recevez, la première chose qu'il y aura à faire, c'est de mettre à jour la Cadix Vista qui est dessus, ou la Nebula. Donc ça, je vous l'avais déjà expliqué, je vous l'avais déjà montré. Vous branchez, vous cliquez, ça met à jour, ça prend vraiment pas longtemps. Pensez au petit ventilateur toujours à mettre dessus, parce que vous savez que ça chauffe un petit peu, mais ça, on va pas revenir à chaque fois sur le Crossfire ou sur les Cadix Vista ou tout ce qui est HD, c'est un petit peu le même principe à chaque fois. Les dimensions, on n'a pas un vrai X, on a 114 mm ici et 138 ici, donc on n'a pas un réel X, on est plus large que long. Donc c'est ce qui fait qu'il est beaucoup plus axé freestyle également que long range. On a dessus une stack en 25x25, donc des fixations en 20x20. C'est une Succès XE F4 Mini. Donc les ESC font que 35 ampères jusqu'à 40 ampères en pic. Donc ça prend jusqu'au 6S. Mais là, les moteurs qui sont dessus ne prennent que du 4S. Et la petite carte de vol, pareil, bien sûr, Succès XE F4 Mini, qui dispose, elle, de 5 UART. Donc il y a quand même de la place, même s'il y a le GPS, la Cadix Vista, on a quand même un UART disponible pour brancher le petit frigo d'appoint, c'est quand même plutôt sympa. Non, bien équipé, on connaît ces petits Succès XE, et c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. On a le petit condo, bien sûr, qui est branché sur les ESC. Original aussi, on a un petit buzzer, je vous mettrai une photo pour que vous voyez mieux. On a un petit buzzer qui est fixé dans du DPU, lui-même accroché aux deux barres qui relient les deux plates. Donc c'est plutôt original, on risque pas de perdre le buzzer. Moi, il glissait un petit peu dans le support TPU, donc j'ai mis un petit point de glue à l'intérieur du support. J'ai remis le buzzer et là, ça ne bouge plus. Je l'ai pas perdu, mais il bougeait quand je le touchais. Donc avant de voler, j'ai préféré assurer tout simplement. Les petits moteurs sont des Xing 1404 en 3000 kV. Vous avez également la version en 3800 kV pour ceux qui veulent un peu moins d'économie, un peu plus de pêche en 4S tout simplement. Moi, j'ai préféré privilégier les 3000 pour avoir un petit peu plus d'autonomie. Je ne ferai pas de long range, vous le savez. Mais vu que j'ai pas un vol agressif, moi, j'ai pas besoin de moteur forcément beaucoup plus puissant. Et sinon, je vais vous parler d'une petite chose. Quand vous allez recevoir l'engin directement, vous allez voir le TPU, il y a une petite articulation en bas, mais pas en haut. Ça vous permet simplement de monter la caméra, mais pas de la redescendre, et elle a un angle quand même d'environ, on va dire, 30 degrés d'origine qu'on ne peut pas baisser. Ça veut dire que, oui, forcément, on va consommer un peu plus parce que l'angle est un peu plus important. Donc, on ira plus vite qu'avec le Flywoo Explorer sur lequel on pouvait régler la caméra. Le modèle analogique en tout cas, mais là avec celui-ci, on ne peut pas régler l'angle de la caméra à part l'augmenter, donc c'est aussi une des raisons qui fait qu'il consomme un petit peu plus. Donc, petite technique que j'ai utilisée, vous verrez sur les photos, j'ai retiré mes deux petites vis ici, et j'ai rajouté de la hauteur tout simplement, avec le petit fer à souder qui va bien, j'ai fait un petit arrondi en haut, de façon à pouvoir régler ma caméra également vers le bas, parce que j'ai vraiment agrandi le trou, pour pouvoir la descendre et pas pour pouvoir la remonter, parce que la remonter c'était pas la peine. Donc quand vous le recevez,
voilà l'angle qu'il va y avoir automatiquement dessus et que vous ne pourrez pas régler, que vous ne pourrez pas changer. Tiens, pendant que je vous parle de la caméra, vous avez cette petite collerette en TPU qui est fournie avec, donc qui permet d'éviter les chocs directs sur la lentille. C'est plutôt sympa, mais bon, ça maintenant, ça se fait beaucoup avec les caméras HD. Et donc, vous voyez l'angle que vous avez au départ quand vous le recevez, et vous ne pouvez pas le baisser. Ça veut dire que vous êtes automatiquement comme ça, quand vous volez en long range. S'il n'y a pas de vent du tout, vous ne pouvez pas voler tranquillement pour économiser l'énergie et aller un peu plus lentement, tout simplement. Donc, j'ai défait les vis du haut. En fait, j'ai tout démonté, les 4 vis, j'ai poussé la caméra et j'ai agrandi mes petits trous, ce qui fait que maintenant je vais pouvoir la baisser. Vous voyez, je peux la mettre carrément à l'horizontale, hop, et lui mettre un tout petit angle si j'ai besoin. Donc pour voler, voilà, je vais pas mettre un angle très très haut, surtout pour voler tranquillou au départ et faire du cruising, et je l'augmenterai peut-être un petit peu si j'ai envie de faire un peu de freestyle avec une autre lipo, hop. Et maintenant, je refixe le tout. Alors pareil, je rajouterai peut-être des petites rondelles, parce que je pense qu'on va abîmer le TPU à force de visser, dévisser. Mais ça suffit pour maintenir. Tenu par les deux vis, franchement, il y a déjà une très très bonne résistance, ça bouge plus du tout. Donc voilà, petite modification à faire quand vous le recevez, si vous voulez pouvoir régler la caméra. Pas d'autre choix que de faire cette petite modif. Ça coûte rien, ça va très vite. Bon, on peut le faire certainement avec un Dremel, mais c'est vrai qu'avec un petit fer à souder bien fin, ça va très très vite à agrandir. Donc voilà, belle petite conception pour ce petit eFly qui est dans la même catégorie que le Flywoo Explorer. On est dans les mêmes dimensions, hein, pratiquement, sauf qu'on n'a pas du tout la même frame. On est beaucoup plus léger sur le Flywoo. Au niveau du poids, hop, sur le petit Chimera 4, on est à 185 grammes à vide. Alors que sur le Flywoo, on était à 135 grammes, tout simplement. Donc là, c'est vrai que 185 grammes, pour pas dépasser les 250 grammes, ça va être compliqué. Je pense qu'il va falloir une toute petite batterie. Aujourd'hui, j'ai prévu une 3S 1300 mAh pour voir s'il l'emmène et si on gagne en autonomie. La plus petite que j'ai, c'est une 450 mAh Tattoo en 4S ici. Et on va atteindre 236 grammes, 237 grammes. Donc là, on est sous les 250 grammes. Avec une 4S 650 mAh, ici Tattoo Airline, tout de suite, on atteint les 264 grammes, on dépasse. Et j'ai prévu également une 4S 850 mAh ACE, et là on est pratiquement à 300 grammes, comme vous le voyez. Donc possible avec cet engin d'être sous les 250 grammes, par contre on aura beaucoup moins d'autonomie puisqu'il ne faut pas dépasser les 500 mAh à peu près pour la batterie. Donc un peu plus lourd, et c'est pour ça aussi qu'il est plus adapté pour le freestyle que le petit Explorer LR, qui lui est très à l'aise dans du cruising ou dans du long range, tout simplement. Donc, eh ben écoutez, je vous en ai dit pas mal sur ce petit quad, je vais arrêter de vous saouler. J'espère qu'Yacine va pas tarder, et ouais, ça va, le temps se tient. Vous êtes prêts? Allez, on va voler. Yep, les amis, on se retrouve en extérieur avec mon bon Yacine. Comment vas-tu? Ça va super bien. C'est à eux qu'il faut le dire. Et ça va super bien. Mais okay. ils s'en foutent. On se retrouve avec notre drone à tête de lion et queue de dragon. Et ouais, c'est un Chimera 4, c'est une chimère. Vous aurez appris quelque chose aujourd'hui, et moi aussi. Donc on va se faire un petit vol à vue pour commencer. Et ensuite, on partira en FPV pour tester un petit peu le long range, l'autonomie. Et puis on testera bien sûr le retour to home, le RTH, en cas de... Enfin, pas le fail safe. On va pas le tester parce que je suis en crossfire, ça va être chaud, mais avec le switch tout simplement. Il y a plein de bestioles, ça va être une horreur. Bref, donc c'est parti, j'ai installé une petite 4S75C de chez Tattoo. Je sais pas, non, vous le verrez pas, c'est en dessous. 450 mAh, juste pour un test en vol à vue. Et après, on mettra 650, 850. Et on va tester aussi la 3S Tattoo 1300 mAh. On va voir s'il peut l'emmener, même s'ils nous disent qu'ils emmènent jusqu'à 1100 mAh en 4S. On verra ce que ça donne tout simplement. Ok. Donc t'es prêt? Moi je suis prêt. Allez, let's go pour un petit vol à vue, c'est parti. Ah, les petites gem fans, il y a un petit sifflement. Ouais. On va peut-être qu'on teste avec les Nazgûl. Donc il réagit bien. On va se faire tout de suite un petit test de punch. On se met sur le ciel bleu, nuageux, j'adore ce ciel. Alors test de punch en 4S, 450 mAh, oui, dans 3, 2, 1... Il est stable, il répond bien, donc on n'a pas un punch extraordinaire. En même temps, c'est une 75C, on n'est pas en 100 ou 120C. Je sens moi qu'il a un peu plus de pêche que l'Explorer.
BAM! Il y en a qui sont en train de tirer sur mon drone. Ouais, on est quand même dans une équivalence hein, avec l'Explorer. Hein. Répond bien, il a l'air sain en tout cas. Il y a des branches au-dessus de nous. J'ai failli pas les voir. En tout cas, ils volent propre. Allez, ça ira pour le test en vol à vue. On va pouvoir se poser. J'ai mis la petite 3S, enfin la petite, elle fait 1300 mh. On va voir s'il l'emmène et si on n'est pas embêté. Yacine est derrière avec son masque aussi. Let's go! Accro, c'est parti. Donc j'ai besoin d'un peu plus de throttle. Alors, ça me marque bien 14 satellites. Par contre, j'ai pas ma petite flèche de direction. Alors, est-ce qu'il a bien chopé les satellites? Je me le demande. Non. Là, le GPS ne fonctionne pas pour l'instant. Il ne faut pas que je fasse n'importe quoi, parce que là, j'ai pas le retour to home. Ah, et c'est bizarre, parce que j'ai 14 satellites indiqués. Alors, je me fais au contrôle, déjà. Donc ouais, 3S, il y a besoin de mettre du throttle hein, quand même. Hein. Par contre, ouais, j'ai aucun. Ça me met 14 satellites, mais j'ai aucune indication. C'est quand même étonnant. Alors est-ce que c'est pas les 14 satellites qu'il avait en mémoire? Bon, l'image est vraiment sympa. Là, ça commence à flouter un peu. J'ai quelques petits passages à vide. Ouais. Ah ouais, je suis en 700 milliwatts. Mais par contre, moi, mon patch, il n'est pas dirigé par là. Mon patch, il est dirigé par là-bas. On va y aller. Donc ouais, la batterie. Donc là, ça me marque 3,8 volts. J'ai baissé le tilt de la caméra, donc je ne suis pas forcé d'aller très vite. Mais je suis obligé de mettre plus de throttle par rapport au poids de la batterie. Donc moi, mon patch, il doit être dirigé par là, je pense. Parce que là, j'ai aucune perte, ouais. Nous, on est là-bas dans le coin. Mais par contre, j'ai rien au niveau du GPS. J'ai pas la distance. Donc faut surtout pas que j'active le return. Donc normalement, avec le... Je ne vais pas aller trop loin puisque je ne sais pas du tout à quelle distance je serai. 3,7 volts, ouais, ça redescend. C'est redescendu assez vite. Je suis à 2 minutes 29, 2 minutes 30. Il faudrait que j'arrive à m'orienter par là pour voir si c'est plus propre. Là, est-ce que tu as des petits pixels? Ouais. Ok. Si je tourne un peu la tête. Donc là, on est vraiment derrière les arbres. Ici. Moi, non. Parce que moi, j'ai le patch. Putain de bestiole. Ah, et les vaches. En tout cas, il est sain. Il vole bien, ça c'est clair. Oh, j'ai des trucs qui me viennent sur les doigts, sur les mains. C'est une horreur. Qu'est-ce que je ne supporte pas ça.
Donc en 3S, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Ah là 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 là, ah, les à-coups dans la radio, c'est des bestioles sur les doigts. C'est terrible. Donc je vais pas insister beaucoup plus longtemps, 3,6 V. Donc la batterie là en 3S, à mon avis, c'est juste qu'elle est un petit peu trop lourde. Je pense qu'on gagnerait en autonomie en mettant une 1000. Juste une 1000 mAh, ça devrait suffire largement. Donc là je tourne la tête encore. Ah, ça fait bizarre de tourner la tête pendant, pendant le vol. Ah, il y a un piaf là. Mais si, il y a de la télémétrie, c'est une blague. Allez, on va se poser et on va installer une 4S. Et je vais essayer surtout de choper des satellites là, parce que... Oui! Mais ça, c'est ce que j'avais à la maison en fait. Donc, je pourrais encore voler, hein. Oh, joli! Bon, bonne nouvelle, j'étais en train de brancher le SpeedyBee de Yacine pour aller voir dans les paramètres parce que je trouvais bizarre que le GPS réponde pas et Yacine a trouvé la panne pendant que je branchais le SpeedyBee. Il m'a dit, il faudrait pas que ce soit branché la petite prise là. Et en fait, si, mon GPS n'est pas branché, donc forcément, ça marche moins bien tout de suite. Allez, on y retourne. Yep, les amis, donc c'est un petit peu mieux une fois que le GPS est branché. On a 8 satellites, ça a été assez rapide du coup. Donc... Let's go avec une 4S, elle est pas chargée à fond par contre. Allez, c'est parti, bon vol. Ah, il est beaucoup plus léger tout de suite. Donc là, c'est la 4S 650 mAh, mais qui n'était pas chargée à fond tout à fait. Ah ben voilà, j'ai les données GPS, c'est mieux. Donc la petite flèche, est-ce qu'elle va bien fonctionner? Normalement, elle devrait se tourner vers moi complètement. Tu l'as la petite flèche, Yacine? Oui. Ok. Donc là c'est bon, alors c'est ce que je vous disais, hein, ne jamais déclencher le GPS avec le switch, le return to home, si vous n'êtes pas au moins à 100 mètres de distance, sinon ça ne fonctionne pas. Et bien sûr avoir au moins 6 satellites, je crois que c'est 6 au minimum. Donc on va avancer un petit peu. Oui c'est ça, là je suis à 370 mètres du point home en fait. Et j'ai des mouches sur les doigts. Et c'est relou. Donc là, moi, je suis dirigé. Ouais, mon patch est dirigé par là. Donc logiquement, tu me dis que dès que tu as des petites fluctuations dans ton masque. Ah, moi aussi, ça va pas mal. 700 mètres. Jusque là, tout va bien. On va pas partir très loin, hein, parce que je suis pas un fanatique de long range. En tout cas, les images sont superbes. C'est clair que ça change la vie pour ce genre de vol, que ce soit le cruising ou le long range. Bon, allez, on va passer la barre des 1 km puisque je ne l'ai jamais fait en racer. Là, j'ai 13 satellites, donc ça ne me pose pas de soucis, normalement. Et j'ai une mouche sur la joue. J'ai envie de pleurer. Ah ouais, non, mais ça me gonfle, ça. La batterie descend assez vite. À 1 km. Allez, je tente le return to home. Pff, cassez-vous. Clic. J'ai lancé. Je coupe mon throttle à 0. Le quad se retourne. Et normalement, il suit la direction de la flèche. Ah, moi, j'ai rien du tout. Hein. Avec le patch, je suis hyper propre. Le RSSI QL truc est pas mal. Donc là, je peux relâcher. Alors, je peux orienter, bien sûr. En maintenant mon retourne, je peux orienter le drone. Je pousse vers l'avant, ce qui fait qu'on va accélérer la descente. Nous, on est au milieu de l'écran, là-bas, dans le coin. Mais j'accélère le drone. Hop. Alors, moi, c'est un interflap. Voilà, là, je le relâche. Tic, hop. Et automatiquement, je reprends le contrôle de l'appareil. Là, je laisse descendre en chute libre avec le ralenti. Oh les vaches! On voit vraiment super bien. Je ne sais pas si le chasseur me tirait dessus, mais il m'a raté. Ok. Ah,
Oh là là, les mouches, mais j'ai envie de mourir. Et j'ose pas garder la bouche ouverte. Donc ouais, la batterie était pas à fond, c'est clair. Là, je vais tourner la tête un peu sur la droite, de façon à orienter un peu mon patch. Ouais, moi aussi, légèrement, rien d'ahurissant. Mais c'est vraiment propre, c'est clair. Non, non, mais c'est sûr, hein, on va pas... Je vais pas aller dire que c'est moins bien que l'analogique, hein, mais faudrait être débile. Par contre, on va pas t'entendre très bien, hein, moi, Yacine, hein, je suis pas sûr. Hein. Moi, je t'entends. En tout cas, c'est super propre. Bon, bah, le return to home fonctionne, le quad a l'air sain. Après, on va installer une petite batterie 850 mAh. Qui, elle, doit être chargée à fond. Je pixelise un peu derrière moi. J'ai des mouches sur les doigts, sur la joue. Donc ouais, la batterie descend assez vite en fait, mais après elle stagne plutôt pas mal tant qu'on met pas de gros coups de gaz. Le quad est sain, il est bien loqué. La petite route là qui va bien. Et j'y bien, facile à manier. Gros plan sur les stars. Allez, ça se la pète, hein, ça fait la petite danse de la victoire. Hein. Non, très agréable, hein, ce petit Chimera. Donc là, je suis à 5 minutes 40, pour ceux qui veulent savoir, et je vais me poser, puisque j'arrive à 5-6 sur la batterie. 5 minutes 47, donc je vais être arrivé à 6 minutes, avec une 650 mAh 4S. Là, j'ai mon masque qui me prévient que je suis à 13,9 V, 14 V. Yaha ! La tournipette cendrée ! Donc, 6 minutes de vol avec la 650 mAh. Yep les amis, bon bah quelle aventure encore une fois, hein ? Ouais. C'était terrible. Donc, je vous explique, là, on est le lendemain. En fait, parce que hier, je vous mettrai les images, tiens, pendant que je vous parle. Hier, Yacine me filmait, justement, me suivait avec sa GoPro et avec son Sidora. Et je fais une boulette, comme d'habitude, forcément, fidèle à moi-même. Ça va, il se fout de moi en plus. Mais non, c'est juste que t'aimes bien les arbres. C'est ça, sur un power loop, je suis allé me planter dans un arbre, là-bas, dans le coin. Et vraiment, comme d'habitude, pas à 2 mètres de haut. On était au moins à 9-10 mètres, sans problème. Ouais. Facile. Et pas au bord. Un peu enfoncé, donc voilà, on a rejoué du lasso un petit peu, on n'a pas tout filmé, on n'a pas filmé du tout d'ailleurs d'en bas, parce qu'on était un peu short sur le temps, et on n'imaginait pas qu'on en arriverait là. Bref, on a réussi à sauver le drone au bout de, allez, trois quarts d'heure de lutte acharnée. On a bien galéré, j'ai pété mon fil, enfin bref, c'était terrible. J'ai même failli grimper à l'arbre, mais je pouvais pas, et heureusement, on a réussi à s'en sortir avec, au bout d'un moment, parce que j'ai testé, hein, avec le turtle mode, à force de le secouer. Donc, résultat des courses, j'ai pété deux hélices. Donc, ça permet justement de rajouter un peu de tilt, de tester les hélices Nazgul qui sont en 40-30 et non pas en 40-24, donc plus adaptées, comme je vous l'avais dit, pour du freestyle. Donc, j'ai changé les hélices et j'ai également ajouté le beacon, le V-Fly beacon, vous le connaissez maintenant, même si là, on l'a retrouvé. Écoutez, j'ai du V-Fly beacon, je vais m'en servir parce qu'on ne sait jamais. Donc, aujourd'hui, on a un vent
de malade. Voilà, on a des rafales, des gros cumulonimbus. On a des rafales à 50-60 km/h. Donc je sais pas si c'est adapté pour ce petit Chimera 4 LR. Mais en tout cas, voilà, on va se tenter aujourd'hui une session freestyle simplement. Et juste après, on vous donnera notre ressenti sur ce petit Chimera 4 en espérant qu'on va pas encore aller le planter dans un arbre. Je vais faire de mon mieux. Mais avec le vent qu'il y a, ouais, j'ai peur d'avoir des images un peu moyennes avec le vent qu'il y a, sachant qu'il est petit. Donc justement, ça permettra de voir comment il réagit en fonction du vent. Donc voilà, on s'équipe en FPV, t'es prêt ? Moi je suis prêt, on va tester ça en conditions extrêmes. Ouais, c'est vrai, on est un peu en conditions extrêmes là, il commence à faire frette et puis ça souffle vraiment bien. Donc j'espère que les nuages vont pas tarder à se barrer. Donc ça marche, on s'équipe, petite session freestyle et on revient juste après. Allez, c'est parti les amis, on tente. Bon vol, j'ai mis en route le beacon au cas où. Allez, let's go. Ah, je suis poussé tout de suite, il y a vraiment du vent. Ah, je le vois, je vois qu'il est... Ah là là, qu'il est perturbé par le vent quand même. Donc là, j'ai le vent dans le dos. En tout cas, c'est clair qu'il est beaucoup plus freestyle que le petit Explorer. Ah, on sent les vibrations, moi je les vois sur l'écran. Vous devriez les voir sur le DVR. Alors pareil, j'ai même pas le petit DVR du crash parce que le problème du masque DJI, c'est que dès qu'il y a un souci dans l'image, ben le DVR n'est pas sauvegardé ou il y a une grosse coupure. Et j'ai même pas le petit crash. Je sais même pas si vous allez m'entendre comme il faut à cause du vent. C'est terrible. Donc là au niveau réception on est pas mal. Oh, je suis poussé, terrible, j'essaye de rester, vous voyez, je vais tout droit et en fait je suis décalé sur la droite vers moi. Donc j'ai bien le vent en face, hein. C'est ce qu'il faut faire, vous le savez, quand vous pouvez. En tout cas, il se manie bien, il réagit bien. Là, je suis face au vent. Oh, il est carrément beaucoup plus freestyle que l'Explorer, sans souci. La réception est top pour l'instant. Je suis en 700 bien sûr. Ouais, bon petit freestyler ce Chimera. C'est clair. Bonne reprise. Même si j'ai fait un peu n'importe quoi.
récupère bien en 4S. Donc là, c'est la 4S 650. Hein. Et je suis à 4 minutes de vol en freestyle doux. Donc bien sûr, vous retrouverez mon Beta Flight à la fin de la vidéo. Sur les rates, j'ai augmenté un petit peu et j'ai rajouté de l'expo surtout. En fait, j'ai 20 d'expo sur ma radio comme d'habitude et j'ai mis 20 également sur Beta. Ouais, bon petit freestyler. Franchement, il y a vraiment matière à s'amuser. Bonne autonomie en freestyle, hein, même si j'ai pas forcé comme un fou. Donc là, je suis à 14 volts, 3 volts 5 par cellule. On va se poser. Et je suis à 5 minutes 30 de vol. J'ai oublié de vous le dire, hein, parce qu'on le voit pas dans l'OSD, c'est relou. Paf! Oh, bah c'est propre ça. Yep les amis, gros kiff, franchement, pas simplement grâce au Chimera 4 bien sûr, mais gros kiff avec mon pote aujourd'hui. Ouais, on a volé à deux. Voilà, donc en fin de vidéo, je vous mets quelques petites images. J'avais pas prévu de faire ça parce que la vidéo est assez longue. Je vous mets quelques petites images en musique quand même, parce qu'on a volé à deux, on s'est parlé. On a essayé de synchroniser un petit peu pour ramener de belles images de drone filmant un drone, sans pour ça faire de grosses acrobaties bien sûr. Sinon, pour finir, je vous laisse découvrir ça en fin de vidéo. Le Chimera 4, un mélange de long range et de freestyle, pour moi il est vraiment polyvalent, on s'éclate vraiment en freestyle, il répond bien, même avec un vent, vous devez l'entendre je pense dans le micro, on a vraiment des rafales à 50-60, comme je vous ai montré, c'est pas évident de maintenir une trajectoire quand on a le vent de côté. T'as un mouche? Ah non, ça y est, parti. Donc ouais, pas facile. Même toi, avec ton Sidora, t'as ressenti... J'ai ressenti les rafales. Hein, c'est ouais, clair. Hein, c'est... Avec le vent dans le dos, avec les hélices qui portent... Bah oui, surtout qu'on n'a pas volé rapidement. Non. En plus, on essayait de faire quelque chose de propre. Et là, on se rend compte, quand on essaye de faire une trajectoire, de suivre un drone, que waouh, on est sans arrêt en train de combattre. Donc, bah, pour finir, moi, le Chimera 4, bah, j'aime beaucoup. Je vais pas le garder. Je vais pas garder l'Explorer. Je vais garder le Chimera 4. T'as un avis, toi, sur le Chimera? Un avis? Alors, je ne l'ai pas piloté. En compilant les vidéos d'hier et d'aujourd'hui. Et d'aujourd'hui, il est clair que pour le freestyle de ce que j'avais vu, moi, entre avec le Flywoo Explorer et là, aujourd'hui, celui-ci, il n'y a pas photo. Ouais, surtout qu'on n'avait pas de vent. On n'avait pas de vent le jour de l'Explorer. Oui. Avec un vent comme aujourd'hui, et avec 50 grammes de moins sur le drone. Et donc GPS, je me rappelle aussi qu'il avait été long, le Explorer à les trouver. Ouais, carrément. Celui-ci était beaucoup là, plus là, je confirme, le GPS, quand il est branché, il est beaucoup plus rapide à choper les satellites, c'est clair. Ouais, je crois que de mémoire, t'as fait 1,2 km hier, ouais. Ouais, 1,2 km avant de déclencher le return. Le return, ouais. Les petites hélices aussi, ouais, pour le freestyle, mettez les Nazgûl. Franchement, elles répondent beaucoup mieux, on a beaucoup plus de réactivité et de pêche. Forcément, on a un peu plus de pas. Mais les autres, ouais, je les sens vraiment hyper fines et vraiment adaptées pour le long range, à mon avis, et pour le cruising. Alors que je retenterai, mais je pense que les Nazgûl feront bien l'affaire pour les deux, quoi, ouais. À mon avis. Donc voilà, ouais, je valide ce petit Chimera 4. Juste rajouter, pourquoi pas, un petit buzzer autonome, à la limite, c'est ce qui peut manquer. Sinon, il est vraiment bien équipé, il fonctionne bien, il est bien tuné d'origine. Vous trouvez mon Beta Flight dans l'outro de la vidéo. Avec mes réglages de rate et mon expo, je vous en ai parlé un petit peu dans la vidéo. Sinon, autre chose pour finir, je vais juste rajouter le petit truc que j'ai fait hier. Donc, j'ai mis à jour ma Tango 2 vu que j'ai la borne V3. Donc, il y a eu la mise à jour des 500 milliwatts là. Donc, je l'ai faite hier. Donc, j'ai voulu revoler tout à l'heure et surprise, j'ai oublié de reminder pour mettre à jour
mon RX. Donc voilà, ouais. Si vous le faites. Donc double annonce, la mise à jour pour passer en 500 mW sur la Tango V3, ça marche sur la V2 aussi? Ça marche sur que la V3. Sur que la V3, donc ouais. Mise à jour pour passer en 500 mW sur la Tango 2 V3. Et pensez bien à rebinder vos RX, bien sûr, une fois que vous aurez fait la mise à jour. Parce que comme Yacine, vous pouvez vous faire avoir. Donc on arrête de vous saouler. Merci à vous, franchement j'ai bien kiffé. Encore une fois, entre hier les problèmes et aujourd'hui le kiff total, franchement, deux bonnes journées. J'espère que cette vidéo vous plaira, vous aura plu. Petite pensée à ceux qui sont dans les villes avec le couvre-feu. Voilà. Ouais, soyez prudents quand même, portez les masques, protégez-vous, etc. On sait pas trop où on va, mais en tout cas, on va essayer d'y aller ensemble, mais pas trop collés. Là, on est en extérieur, on a le droit. Allez, on arrête là-dessus. Merci à tous et à bientôt dans mes vidéos. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. You don't know how. You say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim. No worries, as we'll find out. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it. Slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me.